Est-ce que vous pouvez me citer un principe fondateur, on va dire fondateur, ou un principe pilier de l'Union européenne? La liberté, l'égalité et la fraternité. Vraiment, petit frère, calme-toi. Calme-toi. Alors, vous êtes en fac de droit ici? Oui. C'est quoi l'Union européenne? C'est un groupement de pays qui font partie de l'Europe, du coup. Bah oui. Un groupement? Plein de pays qui se regroupent pour former l'Union européenne. Qui regroupe l'Union européenne. C'est tout? Ouais. Normalement, l'Union européenne, elle a des principes directeurs. Ah ouais, c'est vrai. Donc, ouais. Vous, en tant qu'étudiante en droit, je sais que vous étudiez le droit de l'Union européenne. Ouais, vite fait là. On n'est pas encore dedans, mais un peu quand même. D'accord. Donc, c'est quoi l'Union européenne? C'est un groupement de pays, oui. Qui font quoi? Bah, ils garantissent les libertés individuelles de chaque pays, les principes fondamentaux. Ils établissent des lois que toute l'Europe doit respecter. Régissent la sécurité dans les États, etc. Bon fonctionnement. Est-ce que vous pouvez me citer un principe fondateur, on va dire fondateur, ou un principe pilier de l'Union européenne? La liberté, l'égalité et la fraternité. Non, ça c'est la France. La liberté d'expression. C'est ouais, plus ou moins, mais plutôt le principe de la libre circulation des biens et des personnes. Ah ouais, tu es prêt. Alors, est-ce que vous pouvez me citer 5 pays de l'Union européenne? La France, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et l'Angleterre. La Grèce. D'accord.